La plupart du temps, j'ai l'impression en tout cas d'avoir, de voir dans l'arbre lui-même, les sculptures déjà finies. En réalité, c'est pas vrai. Dans la plupart des cas, c'est un échec. Non seulement c'était pas là, mais il n'y avait rien. Il y a des arbres qui ont une sculpture dedans, et puis il y a des arbres qui n'ont pas de sculpture dedans. Mais il y a des arbres qui sont trompeurs, qui sont séducteurs, qui te font presque sentir qu'il y a une sculpture dedans. Mais il y en a quelque sorte qui ont une sculpture dedans, mais que je n'ai pas pu trouver. Et j'étais convaincu de la trouver. Et puis, il n'y a rien. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Mais miracle des miracles, de temps en temps, il y a une sculpture dedans, et c'est juste celle que je voyais. Et là, c'est merveilleux. S'attaquer à un arbre, c'est toujours un acte très violent. Mais quand je commence, quand il est par terre, je commence presque toujours les arbres d'une façon horizontale. Je les couche au sol. Rien de pire pour un arbre, quoi de plus hécatombale pour un arbre, c'est l'horizontalité. C'est une hécatombe. Et quand j'arrive avec une tronçonneuse là-dedans, c'est la violence du geste est terrible. Mais moi aussi, je me fais très mal. Le démarrage dans le ciné, la première blessure dans un arbre pour aller chercher quelque chose, c'est d'une grande violence. Et pour l'arbre et pour moi. C'est un mouvement très dur. Très dur. Qu'est-ce que c'est que d'être basque? Parler la langue, posséder la langue, c'est ce qui veut dire le mot euskaldun, le mot. Mais ce n'est pas tout à fait ça, ou en tout cas ça ne suffit pas. Vivre dans le pays, ce n'est pas évident non plus, on peut vivre à regret, aimer, ce n'est pas non plus l'amour du pays. Souvent on dit maintenant tous ceux qui aiment le pays basque sont basques, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile à dire, mais c'est très facile à sentir. Ceux qui sont les savent, et ceux qui sont reconnaissent les siens. Et mes sculptures collaborent un tout petit peu, et ce n'est pas volontaire, ce n'est pas un acte militant, mais collaborent un tout petit peu à cette sensation commune.